En Nouvelle-Zélande, les Maoris ne font pas que du rugby. Ancien jeune jockey vedette qui a dû mettre un terme à sa carrière prématurément à 22 ans à cause de problèmes de poids, Chadwick Ormsby s'est construit une vie atypique, en corrélation parfaite avec l'animal qui ramène aux traditions ancestrales. The Maoris are just real natural gifted sportsmen, and it flows on to being horsemen as well, and generally it sort of extends into just great sportsmen. I learned the skills from my father and a friend of ours with just growing up and getting on any old horse that you could, just because, you know, it was the thing to do, and going ride down the beach, and it's just the way I sort of brought up to enjoy the animal, the horses, and I just learned basically along the way, and I think the best teacher was probably the horse itself. Taught me most of the things I know, yeah. Cavalier de génie, Chadwick Ormsby débute en course dès l'âge de 15 ans et remporte rapidement son premier groupe 1. Mais il grandit un peu trop, monte aussi en obstacle et doit lutter tous les jours contre son poids. À 20 ans, il pense arrêter mais poursuit un an grâce au champion Ocean Park, futur vainqueur de la Cox Plate et devenu l'un des meilleurs étalons du pays. À 22 ans, il raccroche ses bottes et s'associe avec son beau-père, le grand entraîneur Mike Moroney. Pendant 4 ans, il gère 60 chevaux et remporte de nombreux succès au prix d'une vie au rythme effréné. I felt like I probably wasn't quite at the age to really settle down and just, you know, dedicate my life to the training side of things. So I stepped aside and stepped down and decided just to, you know, keep my trainer's license, but back off and just sort of do breakers and do some educating with young horses. Chad Ormsby est capable de passer avec autant d'aisance sur le dos de n'importe quel équidé, exigeant des styles de montre radicalement différents. Cela va des chevaux de sport, de dressage et de ceux d'obstacles, au pur sang en passant par les chevaux de trait et les poneys. Actuellement, il travaille même une mule qui n'est pas l'animal le plus facile à gérer, mais qu'il parvient à rendre pas trop têtu comme une mule. He's a challenge and a half, you know, in himself, and there's a lot of different angles you've got to take with him. He's got his own personality and definitely keeps me guessing. I got introduced to bull riding, the sport of bull riding and rodeo, about 3 years ago, and it was like an addiction. I sort of got hooked. It took me in, and I got really stuck into it. I really love it. It's a great hobby, albeit a dangerous one, but I enjoy it. And the first year I did it, I won a rookie title, and then the second year I won the open title. So currently the New Zealand champion. In New Zealand for bull riding, and you know, look, it's a great sport. It can take you anywhere around the world. I was lucky enough to ride in America and been invited to ride in Australia, and it's a different crowd to horse people, so it really opens my eyes up to just a whole new different scene. Chad Ormsby reste un entraîneur très performant. Avec seulement 4 pensionnaires d'un unique client, il détient l'un des bons 3 ans du pays, Roll the Dice par Zacinto, bien qu'issu d'une origine maternelle très obscure. Roll the Dice a pulvérisé ses aînés à Matamata le 3 février sur 2000 mètres et se dirige désormais vers le derby de Nouvelle-Zélande, début mars sur 2400 mètres à Ellerslie, avant de tenter sa chance de l'autre côté de la mer de Tasmanie pour battre les rivaux de toujours, les Australiens. Sur leur terrain.